Bienvenue dans la méthode de Sbadatel. Tu as sûrement dû travailler très dur depuis janvier pour atteindre tes objectifs et je tiens à t'en féliciter. Bravo pour tes efforts et ta détermination. Mais laisse-moi te poser une question. Es-tu satisfait des résultats obtenus jusqu'à présent? Est-ce que tu ressens quelques petits blocages qui t'empêchent de progresser à arriver à ce que tu souhaites? Il est courant de se fixer des objectifs ambitieux en début d'année et de se retrouver quelques mois plus tard face à des obstacles qui semblent insurmontables. Tu as peut-être mis en place plusieurs actions pour atteindre tes buts, mais malgré tout, les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Aujourd'hui, je te présente une toute nouvelle méthode, la méthode Sbadatel. Elle va transformer ton approche et te permettre d'atteindre tes objectifs à court terme, même ceux que tu pensais inaccessibles. Avant de me plonger dans le cœur de la méthode et de te la présenter, prenons un moment pour identifier les blocages les plus courants, ces blocages qui nous empêchent de progresser de manière significative. Alors, il existe le manque de clarté, la procrastination, la peur, les doutes, le manque de motivation, la distraction et aussi le manque de priorité. En identifiant ces blocages, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi nous ne parvenons pas à atteindre nos objectifs comme nous le souhaitons. La méthode Sbadatel est conçue pour surmonter ces obstacles inconscients. Elle s'appuie sur des techniques éprouvées et une approche innovante qui utilise le pouvoir de l'inconscient pour aider chacun à s'aligner pleinement avec ses objectifs. Depuis sa mise en place, Sbadatel y a transformé la vie de centaines de personnes. Voici un témoignage parmi tant d'autres que je vais te partager maintenant et tu pourras retrouver d'autres témoignages sur Google Maps en tapant Karine Morel, Nouvelle-Calédonie, ou simplement sur mon site karinemorel.com. Il y a aussi une autre solution en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir en lire et en regarder plusieurs autres. Donc moi, ça a changé des choses dans mon couple, ça a changé des choses dans ma vie professionnelle, dans ma façon d'être, dans mon état d'esprit, dans mon sport. Donc vraiment, c'est pas une formation qui promet du bullshit. C'est vraiment une formation qui aide profondément. Et quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui change à l'intérieur, quoi. En fait, ça vient faire mais en profondeur et au Karcher. Donc, tout ce qui ne va plus du tout, ça sort de ta vie. Sur le soutien, il n'y a rien à dire. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un investi dans une formation ou dans un accompagnement. Je trouve que tu prends vraiment les choses à cœur. Parce que ben, déjà, d'une, je pense que tu kiffes ton métier, mais que tu kiffes les gens aussi. Karine, elle a cette manière, cette capacité de nous comprendre comme personne. Et en fait, on peut pas, notre égo, souvent, il peut pas l'éviter, en fait. Parce qu'elle a une manière de nous driver et de nous accompagner qui est très, à la fois très douce. C'est comme une main de fer dans un gant de velours. C'est droit au but, mais enveloppée quand même, c'est que tu peux pas la prendre pour une teubée, hein, parce qu'elle le sait. Et ça te fait aller chercher vraiment au plus profond de toi des choses que parfois t'as pas envie de voir, et que tu irais pas voir seule. Parlons maintenant des avantages d'appliquer la méthode Sbadatel. La beauté de la formation réside dans sa capacité à s'appliquer à toutes les strates, que ce soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Tu vas pouvoir améliorer ta productivité, clarifier tes objectifs de carrière ou autres, augmenter significativement ta performance, avoir une meilleure gestion de ton temps, réduire ton stress, être aligné avec tes valeurs profondes, améliorer aussi tes relations personnelles, professionnel grâce à une communication plus authentique et une meilleure compréhension de toi. En utilisant cette méthode, tu seras en mesure de débloquer ton potentiel et penser hors de portée. Le plan d'action se déroule sur 16 semaines pour ton gros objectif, puis s'étire sur 9 semaines pour approfondir la méthode. Pendant ces 20 semaines, certes, mais elles seront mises à profit avec des ateliers gratuits offerts par des coachs ou des formateurs de renom en développement personnel et professionnel, ainsi que des conférenciers connus à l'international. Bref, une méthode concrète qui va te transformer. Il y a plusieurs étapes dans cette méthodologie. La première est de définir tes objectifs. Ensuite, nous analyserons tes blocages
planifieront clairement des échéances. Il y aura un suivi et un ajustement puisque tu es deux fois par semaine en groupe et tu auras le soutien de ton aiutante. Renforcera ainsi ta motivation. Et puis, si tu le souhaites, tu pourras faire un coaching privé optionnel avec moi. L'engagement est la clé de la réussite. En t'engageant pleinement, tu te donnes les moyens de transformer ta vie avec des rêves en réalité. Voici quelques conseils pour renforcer ton engagement. D'abord, la visualisation. Ensuite, des affirmations positives. Et en plus, un support communautaire. Une fois que tu auras rejoint notre communauté, tu pourras partager tes progrès et trouver du soutien dans la communauté. En résumé, il t'offre une clarté accrue de tes objectifs, des techniques pour surmonter les blocages et les distractions, un plan d'action détaillé et réalisable, un soutien constant pour maintenir ta motivation. Je t'invite donc à ne plus attendre et à t'inscrire aujourd'hui à notre formation Sbadatel. Imagine-toi dans quelques mois ayant des objectifs que tu pensais accessibles. Et pour cela, tu as deux chemins qui s'offrent à toi. Le premier est celui de l'inaction, facile et sans effort. Mais cela te laisse à ta place. Tu vas être là où tu es aujourd'hui. Tu continueras à vivre les mêmes problématiques, les mêmes peurs. Et tu auras les mêmes frustrations qui entachent ton corps. Ton temps donne beaucoup de regrets. Tu pourrais fermer cette vidéo et dire « c'est bon Karine, c'est pas le moment ». Mais pose-toi une seule question. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux être toujours là dans 1, 5 ou même 10 ans? Si ce n'est pas le cas, il y a un deuxième chemin qui s'offre à toi, celui du changement. Il commence aujourd'hui. Alors je ne vais pas te mentir, hein, c'est pas un chemin simple. Il va te demander du courage, de la volonté et de l'action. Et il va m'en demander aussi. Mais ensemble, nous allons travailler pour te rapprocher de ton vrai potentiel, de ce que tu désires depuis longtemps. Imagine une vie où chaque matin, tu te lèves surexcité par la journée qui t'attend. Une vie où tu n'as pas peur de savoir ce que pensent les autres de toi. Un plan concret étape par étape. Tu vas ta carte au trésor et tu te sentiras accompli et épanoui. Ton choix est décisif. Je sais que ce changement peut faire peur, mais chaque personne qui a réussi a eu ce choix à faire. Nous avons choisi de ne pas laisser nos peurs nous contrôler. Nous avons pris le contrôle et nous avons agi. Et toi, quel chemin choisis-tu? Sbadatel, ce n'est pas une formation, c'est un tremplin vers une vie que tu mérites, mais la décision t'appartient. Alors si tu es prêt, inscris-toi avec nous. Ensemble, nous allons passer à la vie. Commence tout de suite. Et je t'attends de l'autre côté. Bye bye. Ton micro, ma belle, on t'entend pas. Mais dis donc, beaucoup de blabla pour pas grand-chose, ça commence très fort. Bonjour tout le monde. Donc vous êtes les bienvenus sur notre formation et je vous présente Fabienne Vermal et Maria Cristina Marabotto qui sont avec moi ce soir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un peu plus en profondeur par rapport à ce qui vient d'être dit, la formation Sbadatel. Alors, je vais juste vous couper un petit peu les micros, les filles. Désolée, mais on entend derrière vous. Voilà. Donc, on va vous présenter la formation, les objectifs de cette masterclass. On va vous présenter aussi chacune d'entre nous, pour que vous sachiez ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Je vous passerai un témoignage en vidéo d'une personne qui va être avec nous ce soir. Et puis, ensuite, on répondra à vos questions au cas par cas. Vous nous direz ce qu'il en est. Et on parlera aussi, bien entendu, de prix de la formation et de comment elle se déroule. Voilà. Alors,
Je me présente, je m'appelle Karine Morel, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Nous avons mis en place avec beaucoup de monde parce que cette formation, elle est maintenant en place depuis à travailler avec plus de 200 personnes. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul sur cette formation de développement personnel qui est puissance plus, plus, plus. Pourquoi je dis plus, plus, plus? Parce que cette formation, en fait, elle a des objectifs et elle a des points de réalisation qui sont énormes. Déjà, donc, c'est du développement personnel que l'on peut appliquer aussi au développement professionnel. Ça vous permet de gagner de la confiance en soi. Avec cette formation, gagner en gestion du temps et de l'énergie. On va définir avec vous, lors de cette formation, vos objectifs précis et celui que l'on va prendre comme objectif principal, cet objectif principal que vous aurez daté ou pas. Ça fait partie des objectifs qui sont à très long terme et on va le ramener à 4 mois pour le réaliser entre 3 à 6 mois ensemble. La formation, elle dure 6 mois. On va se donner du temps et on va l'approfondir, on va aller au plus profond de vous, puisqu'on travaille avec l'inconscient, on travaille avec le spirituel. Alors, on fait pas de prière, hein. C'est pas le but. On travaille vraiment avec notre inconscient. On apprend à connaître notre inconscient et à lui faire confiance. C'est ça surtout. On va améliorer donc vos compétences, votre gestion du stress et bien sûr, on va essayer d'être dans un bien-être bien meilleur. On va créer un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. On va avoir un changement de mindset. Vous verrez, dès les premières semaines, le mindset change. Il va être en croissance, il va se développer. Vous allez voir le bien-être que ça apporte. Et vous allez avoir un épanouissement global en toute sérénité. Et c'est vraiment ce pour lequel je mets en dernier, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est la sérénité. C'est cette sérénité que ça apporte. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, sur cette petite présentation de la formation? Ah, je vous remets le micro. Ah, c'est bon, vous arrivez. C'est bon. Tu l'as merveilleusement bien expliqué. Donc, s'il y a des questions, je pense que pourra y répondre en cours de route. Donc, je te laisse poursuivre pour ma part. Ok, très bien. Oui. Pareil. Moi aussi. Très bien. Alors, au niveau de la formation, le contenu, il est de. Vous allez avoir une plateforme avec des PDF dessus. Deux rendez-vous par semaine d'environ 2 heures, 1h30 à 2 heures. Des pauses aussi dans cette formation, mais dans ces pauses, vous allez avoir des ateliers qui sont offerts. Alors, dans ces ateliers offerts, ce sont des professionnels qui viennent vous parler de tout autre chose. Pour que la pause soit en fait efficace, il ne faut pas que l'on parle de la formation. Et par contre, il faut qu'on se voit. Alors, les pauses ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir aux ateliers. En fait, c'est des ateliers qui sont très intéressants, qui peuvent servir à tout le monde. Donc, voilà, on a mis ça en place. On a plus de 45 heures ensemble en coaching de groupe, puisqu'on a des rendez-vous le lundi soir à 21h heure française et le jeudi soir 21h heure française aussi. Ces rendez-vous-là permettent, un, le lundi, de décortiquer ce que l'on fait sur la formation, deux, le jeudi, de faire les exercices. Ce qui vous laisse la semaine tranquille. C'est une formation qui décape. C'est une formation qui va vous faire une introspection. C'est une formation qui va vous permettre de développer au niveau, de vous développer au niveau personnel. Mais c'est une formation que nous ferons ensemble. Voilà. La plateforme, vous aurez donc les PDF, vous aurez donc les replays dessus. Donc, si vous loupez un rendez-vous, vous pourrez venir et prendre le replay dessus. Cette plateforme, elle est ouverte à vie. Hein. Une fois que vous l'avez, elle est ouverte à vie. Voilà.
La méthodologie et l'approche pédagogique, ça va être un travail qui va se faire crescendo, une approche, je dirais, exceptionnelle. Je pense que vous n'avez jamais vu de formation comme ça, et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, c'est juste que la plupart des gens qui ont fait la formation avec nous et qui sont allés jusqu'au bout de la formation, il faut aller jusqu'au bout de la formation, hein, pour valider ce que je vais dire ensuite, il faut que la personne soit allée jusqu'au bout de la formation. Les gens qui sont allés au bout de la formation ont tous réalisé leur objectif, leur gros objectif, l'objectif qu'ils avaient validé avec nous et qu'ils avaient peaufiné tout le long de la formation. Et ça, c'est extraordinaire. C'est des choses, des objectifs que vous pourriez dater à 3 mois, 5 mois, 6 mois. Un an, et même des fois que vous n'avez pas daté et que vous dites « Ah, ça, je le ferai » ou « Ça, j'aimerais bien le faire » et qu'on laisse là en suspens. On va prendre cet objectif-là, donc des objectifs à long terme, et on va le réduire et le ramener à court terme. Voilà la méthodologie et l'approche que nous avons dans cette formation. Ensuite, vous avez bien entendu des attentes, et ces attentes sont d'avoir, nous ce qu'on vous confirme, c'est la réalisation d'un et des objectifs, ça Fabienne vous l'expliquera, d'ailleurs peut-être tu veux l'expliquer maintenant, c'est qu'il y a un effet d'eau qui se crée, et je te laisse expliquer ça. Par rapport aux objectifs, oui. Tu peux te présenter avant, parce qu'on n'a pas fait les présentations. Ah, je vous ai juste dit que vous étiez là, mais je te laisse te présenter et après tu nous parles des objectifs. Ok, ça marche. C'est vrai, la moindre des choses, c'est de se présenter. Alors, ok. Donc, je me présente Fabienne Vermal, coach spécialiste de la sublimation de soi. J'ai déjà accompagné les femmes multipotentielles. Cela fait 6 ans que j'accompagne les femmes multipotentielles et 11 ans que je suis lancée dans l'univers du développement personnel. Et donc pour en venir à ce que Karine disait par rapport aux objectifs. Donc oui, lorsqu'on rentre dans la formation, on peut croire qu'on a un seul but et un seul objectif en tête. Et il y a cet effet côté domino. C'est que même si on a un objectif en tête, il y a d'autres sous-objectifs qui se mettent en place et qui s'enchaînent derrière. Et ce qui est beau et ce qui est extraordinaire, c'est grâce à l'énergie du groupe. Le groupe est là aussi pour nous aider à voir qu'on a franchi justement ce pas, qu'on a franchi ces paliers au fur et à mesure. Et même, il nous aide à voir qu'on a atteint nos objectifs, même quand on croit qu'on n'a pas réussi. On peut avoir cette illusion, parce que ça, c'est illusion, c'est illusoire, cette illusion de croire qu'on n'a pas réussi, mais en final de compte, si. Et c'est ce qui est merveilleux avec le groupe. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cet objectif qu'on se donne, il y en a plusieurs autour qu'on avait sélectionnés ou pas, ou qu'on avait notés comme ça, qui vont en fait se réaliser sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est assez impressionnant, c'est que de temps en temps, certains vont dire « Mais tu as vu, tu avais parlé de ça et ça a fonctionné ». Et puis, certaines fois, d'autres moments où on va ouvrir ce qu'on avait noté et se rendre compte qu'effectivement, bah, ça a été réalisé. Et ça, c'est vraiment, c'est grandiose. Ça, c'est grandiose, ouais. Ensuite, au niveau de cette formation, vous allez avoir des personnes qui seront là et qui vont vous aider, et qu'on a appelé des ayutantes. Et d'ailleurs, on n'a pas expliqué ce que ça veut dire sbadatelli, mais sbadatelli, c'est en fait le mot italien pour dire fonceur, et on trouvait que c'était plus joli que fonceur, ça fait un peu, voilà, c'est-à-dire que vous allez aller droit au but, et droit au but, on n'a pas pu l'utiliser non plus parce que c'est déjà utilisé, on ne voulait pas de problème avec l'OM, donc... On s'est dit, bon, sbadatelli, c'est très joli, on va mettre ça en italien. Et du coup, les aidants, pareil, c'était plus joli en aiutante, alors on l'a mis en italien. Vous aurez donc un binôme qui vous sera donné, et ce binôme-là va pouvoir vous aider tout au long de la formation avec 6 rendez-vous que vous pourrez prendre à votre guise avec lui. Et dès que vous sentez un point de friction, quelque chose qui ne va pas, va pouvoir être là
pour vous dire, ah oui, on l'a déjà vu, ça, on sait le faire, ça, voilà. Sachez que Fabienne, Maria Cristina et moi, nous serons ayutantes si il n'y a pas assez d'ayutantes. Mais vous en aurez plein d'autres parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait la formation, qui ont validé leur objectif, qui ont réussi leur objectif et qui sont allées jusqu'au bout, donc qui connaissent, qui ont fait et refait cette formation et qui donc seront là pour vous aider. Et il y en a plusieurs. Il y a pas mal de monde qui est là pour, en tant qu'ayutante, nous interviendrons plutôt en tant que formatrice sur la formation. Et d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle de formatrice, Fabienne et Maria Cristina seront toutes les deux formatrices sur la formation française. Mais sachez qu'on a une version italienne et que cette version italienne est proposée par Maria Cristina. Et que donc, si vous parlez italien, si vous avez envie de vous challenger en italien, ou si vous êtes italien et que vous êtes tombé par hasard sur notre vidéo, eh bien, vous allez pouvoir le faire avec Maria Cristina. Et Maria Cristina, je te laisse te présenter. Et voilà, c'est exactement la même formation avec les mêmes choses que l'on vient de dire, mais c'est en italien. Merci Karina. Bonsoir à tous. Je suis Maria Cristina Marabotto. Je suis italienne de Cuneo, nord de l'Italie. Et je suis formatrice de lecture rapide dans la formation AAA et pour l'italien. Et en Italie, je fais imparare a imparare. Et je suis aussi formatrice dans cette aventure de formation de Sbadatelli. Excellent. Donc, si vous avez envie, vous nous faites un petit message et c'est parti. Challengez-vous en italien, c'est amusant. Ça vous permet de reprendre un peu pour ceux qui ont, comme moi, depuis quelques temps, ne sont pas retournés en Italie. Ça vous remet dans le bain, c'est sympa. Et puis pour les Italiens, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, je vais vous partager maintenant la vidéo d'Olivier qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui, en fait, a fait la formation Sbadatelli pour vous donner le témoignage de quelqu'un qu'il a vécu en tant que, on va dire, apprenant. Je le mets entre guillemets parce que on n'apprend pas, en fait, on se développe. Mais comme ça, vous allez avoir un peu ce regard de l'autre côté, parce que nous, en tant que formatrice, on va vous donner tous les points positifs, mais au moins vous aurez les points positifs de la personne qui vient et qui s'inscrit. Je vous laisse regarder ce témoignage d'Olivier et on se retrouve suite après. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec moi Olivier Couteron qui a suivi la formation Sbadatelli et qui est là pour témoigner et pour nous dire un petit peu ce qu'il en a vécu, comment ça s'est passé pour lui. Bonjour Olivier. Bonjour Karine. Comment ça va? Mais ça va super bien et toi? Oui, ça va très bien. Oh, cool. La première question que je pose à tout le monde, c'est de se présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc, je te laisse faire. Eh bien, merci. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Couteron. Alors, moi, j'ai 50 ans. J'ai vécu à plusieurs endroits en France. Et en l'occurrence, ma première résidence en France, j'étais voisin avec Karine. Voilà, un petit peu, je plante un décor, mais qui fait que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et puis, moi, mon parcours à l'école, donc j'ai bougé, j'ai changé de département, j'habitais dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, je suis monté dans les Hautes-Alpes, dans le 05, où je ne pensais pas passer ma vie, mais j'ai finalement passé 30 ans, et sur ces 30 années, donc j'ai fini mes études sur l'Embrunet, et où derrière, je me suis dirigé vers les métiers du bâtiment. J'ai commencé avec une personne que j'ai rencontrée, qui est devenue mon papa de cœur, un peintre vitrier avec qui j'ai commencé. Puis ma curiosité a fait qu'à chaque fois, je me suis intéressé à d'autres métiers. Puis j'ai bougé. Et d'ailleurs, au bout de 30 ans, j'ai fini. J'étais artisan plombier. Je faisais des salles de bain clé en main. Mais artisan plombier, ça prend beaucoup de temps. C'était du 70, 80 heures semaine. Et je prends la décision de prendre plus de temps pour moi
et ma famille, puisque j'ai la chance d'avoir deux grandes filles, dont d'ailleurs la première m'a fait grand-père l'année dernière, un cadeau, je ne vais pas dire un cadeau du ciel, mais un petit bonheur, un petit rayon de soleil en plus dans ma vie. Et donc oui, après 36 dans le bâtiment, où ben, je gagnais bien ma vie, mais en fait, je ne vivais pas ma vie, j'ai pris la décision de retourner chez un patron pour avoir du temps pour mes enfants, surtout la dernière qui avait 9 ans, avec qui on était très complices et qui avait besoin de moi. Et cette envie a fait que ben, il s'est passé encore plein de choses derrière. Je retourne chez un patron, malheureusement, je prends du poids. On me partage une information que je prends, et d'ailleurs, il y a 6 ans de ça, j'ai complètement changé d'orientation professionnelle puisque je suis devenu conseiller en bien-être, en nutrition santé sportive et bien-être, où j'aide et j'accompagne des personnes à prendre en main leur santé financière, mais physique aussi. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis revenu dans le 04, j'exerce mon métier, où j'ai la chance d'avoir un métier dans le digital, où je peux en fait être là où je veux. Je ne suis plus attaché à un endroit et je m'éclate. Voilà un petit peu la présentation dans les grandes lignes. Ouais. Donc là, tu t'es présenté, mais parce que tu nous as pas parlé de la formation, qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette formation? Alors, ben c'est marrant, cette formation, encore une fois, je l'ai dit, j'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie, c'est ma curiosité. Et jeune, j'étais très terre à terre, et au plus j'ai grandi, au plus j'ai vieilli, au plus j'ai mûri, même je pourrais dire, ma curiosité a fait que ben, ce que tu proposais, donc cette formation où, ben, ça m'a intrigué, je voulais en savoir plus et quoi de mieux plutôt que de se renseigner, vu que je te connaissais, de pouvoir le faire avec toi, ben, je suis arrivé donc à prendre cette formation durant l'hiver. Excellent. Effectivement, tu es arrivé un peu sans savoir où tu allais, mon pauvre. Et du coup, la question est, quel impact positif Sbadatel t'a apporté? Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie personnelle, professionnelle, autour de toi, dans tes objectifs? Raconte-nous un peu. Alors, ben, cette formation, aussi bizarre que ça puisse paraître au début, je ne sais pas si tu te rappelles, je vous regardais avec des grands yeux tout ouverts, je ne comprenais pas tout, parce que c'est quand même quelque chose de bien différent de ce qu'on peut connaître. C'était au début, je ne vais pas dire oui, si on est au pied de la montagne, il faut aller tout en haut, waouh, est-ce que je vais y arriver? Ça, pour être honnête. On le sait aujourd'hui, puisque c'est passé, j'y suis arrivé et. C'est pas que ça a changé d'un endroit ou à un autre. En fait, je pense que ça a même changé. Ça m'a changé moi-même, en fait, cette formation. Il y a des choses que je ne savais pas de moi. Il y a des choses qui étaient enfouies au fond de moi, qu'on a travaillé ensemble, qui m'ont permis, en fait, de relativiser sur beaucoup de choses, mais d'avoir une meilleure compréhension de moi-même, en fait. Ça, c'est. Et que ce soit, donc, sur moi, donc, en fait, du personnel, mais sur le côté professionnel, j'avais un objectif en venant te rejoindre sur ces 4 mois de formation où il est vrai, je ne savais pas, et heureusement que tu es une bonne coach, comme on pourrait dire, parce que tu m'as dit non, Merci. Olivier, ton SR, il est trop loin parce que je l'avais daté à 2 ans. Tu m'as dit non, il en faut une, ce soit à peu près la durée du SR. Là, ben, on a vu un petit peu à la baisse, mais toujours pareil, quand on essaye ce genre de manipulation, on essaye de tabler un peu haut et sur le côté professionnel, ça m'a apporté une réussite, mais aussi une notoriété, une visibilité auxquelles je ne m'y attendais pas. C'est ça, c'est que en fait, quand je peux donner ma sensation, hein, tu diras si elle est juste ou pas. En tout cas, quand je t'ai dit il faut que tu le voyes à la baisse, tu étais déçu, mais extrêmement déçu. Ben oui, parce qu'en fait, j'avais vu un projet, mais grandiose, parce que j'ai dit à le faire, moi, quand je fais, voilà, après, je rentre, et on l'a vu, il y a des personnes qui ne nous ont pas suivis, et même moi qui étais dans mes premiers, ben, j'ai dit, j'irai jusqu'au bout, et je voulais quelque chose de grand.
Mais c'était grand, mais trop grand en date. Et quand tu m'as dit qu'il Ah fallait baisser la date, pas le projet, d'accord? C'était la date. Là, par contre, c'était parce qu'on est passé quand même de 2 ans à 5 mois. Donc, forcément, sur le côté professionnel, personnellement, la qualification que j'ai obtenue, je ne pensais pas l'atteindre là. Je pensais que ça aurait été, je n'aurais pas suivi la formation, ça aurait été peut-être en fin d'année, alors que là, déjà, parce que c'est quand même fou, c'est que déjà là, j'ai pris une qualification, mais je sais qu'en fin d'année, il y a une autre qualification qui va me rapprocher à moins de 1 an et demi, on va dire, de la qualification que j'avais vue à 2 ans. Donc, sincèrement, ouais, c'est cool. C'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, alors déjà, je vais juste dire ce que c'est SR parce que toi, tu sais, mais eux ne savent pas. C'est une super réalisation en fait. C'est un objectif, comme tu l'as dit, qui est très très loin, qu'on a daté à 2, 3, 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on n'a pas daté. Ça arrive aussi des fois. Un objectif qu'on s'est dit, ah, ça, je le ferai plus tard. Et finalement, on le date. Et on le réduit. Alors, toi, tu l'as mis à 5 mois, mais en fait, on essaye de le faire à 4 mois et on se donne toujours à la fin un mois ou deux avant de relancer un nouvel objectif, un nouveau point à atteindre. Pourquoi? Parce que justement, il y a des gens comme toi qui, leur objectif qu'ils ont retravaillé, finalement, ils l'atteignent avant la fin des 4 mois et donc, ils réajustent encore et toi, tu as dépassé d'un mois, donc tu étais dans le temps où on fait ensemble d'autres choses, ou où on fait rien aussi, et tu as atteint ton objectif en fait, et ça c'est top, et ça c'est vraiment Ah ben c'est forcément, forcément, suite à cette formation, ce n'était pas au moment où la formation s'est arrêtée que mon travail n'a pas continué. Parce exactement. qu'en effet, là, tu le disais, je vais le dire, c'est important de l'entendre. Voilà, quand on a un rêve, quand on a un objectif, c'est de noter, de le dater et de l'afficher. Ça, c'est très important. Très, très important. Tu l'as testé. Ah oui. Oui, ça, c'est important. Effectivement. Du coup, maintenant qu'on a eu l'aspect positif de la formation pour toi, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cette formation? Parce qu'il y a plein de choses Alors, diverses et variées dans cette formation. Hein. Sur 4 mois, on a le temps de voir plein de choses. Qu'est-ce qui t'a... Et puis, il y a des aspects qu'on ne trouve peut-être pas sur d'autres formations. Qu'est-ce que toi, à toi personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus plu? déjà, le fait que je sois curieux, c'est de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, même après 50 ans, on peut toujours amener de nouvelles choses. Et je pense que ça sera, ben, finalement, cet objectif-là sera jusqu'à la fin de ma vie, de toujours aller voir ce qu'il y a en plus, de s'enrichir, en fait, de nouvelles expériences. Parce que là, pour moi, je pourrais presque qualifier ça d'expérience. Et ben, c'est donc d'avoir découvert cette façon de se connaître, ouais, une façon de se connaître, mais aussi de pouvoir le partager avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi sur ces sujets-là, ou de voir ma compréhension à certains moments me dire, ben oui, en fait, finalement, ces gens-là l'ont déjà fait, de moi arriver à comprendre ce qui se passe sur la première formation, ce qui m'amène à dire ça, c'est que, en fait, ton coaching m'a énormément aidé. Alors, au-delà qu'on soit peut-être amis en France, on s'est perdu de vue 20-25 ans, on s'était recroisé une fois, mais il y a cette affinité qu'on avait ensemble qu'on n'a jamais perdue finalement. Mais de notre côté, ta façon d'amener les choses, et que ce soit avec moi ou avec les autres personnes qu'il y avait sur la formation, fait du bien et donne envie, en fait, de rendre à son coach ce qu'il peut t'amener. Et donc, l'accompagnement que tu as fait, ben, c'est peut-être la chose qui m'a le plus séduit. En dehors de l'atteinte de l'objectif, mais ouais, voilà, c'est ton accompagnement, ton écoute et ta disponibilité. Voilà, parce qu'il y a des fois les exercices à faire, je comprenais pas tout, bon, on s'envoyait des messages, tu étais assez réactive malgré ton emploi du temps chargé, donc c'est cool. Ouais, j'essaye de faire ça avec tout le monde en fait, pas spécialement avec toi, même si on est très Bon. amis. Je le sais, puisque quand on était en formation tous ensemble, j'entendais que plusieurs avaient aussi des questions qu'ils posaient entre les séances.
Et donc, c'est ça, ça me permet de le dire. Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé, en dehors qu'on ait toute cette affinité. Non, non, ton rôle de coach dans, avec cette, cette nouvelle façon de se découvrir fait pour moi que oui, c'est ton coaching qui m'a vraiment plu. Ah, ouais. Bon, merci. C'est la vérité. Tu le sais, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Oui, effectivement. Mais écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être à la prochaine formation. Qui sait? Alors, reviens. Peut-être pas tout de suite parce qu'on est parti dans des gros projets avec Cécile. Oh là là là, j'ai débloqué des choses. C'est pas possible. Ah, mon mais... ah. Eh oui, eh oui. Donc, peut-être pas là, mais autant comme on a fait cette année dans l'hiver, autant ça peut franchement se réaliser là. Ouais, c'est top. En tout cas, merci parce pour ton témoignage. Eh bien, je te remercie, Karine. Dis-moi. Non, non, j'allais dire, tu sais, après des super réalisations, ben, moi, j'ai une carrière professionnelle qui m'amène à devoir franchir des paliers. Et donc, pourquoi pas aller chercher un qui était au-dessus de celui que j'avais prévu à 2 ans, mais à 6 mois. Ouais. Allez, on y va. Après, l'avantage de cette formation aussi, et ça, il faut que les gens qui nous regardent l'entendent, c'est qu'une fois que tu l'as faite, tu sais le faire pour toi-même. Et je sais déjà que tu l'utilises dans ta vie de tous les jours et tu n'as pas nécessairement besoin. C'est au quotidien. Une fois qu'on a découvert l'astuce et comment l'utiliser, en fait, on n'a pas besoin de revenir sur les sessions d'après. On sait l'utiliser. Ce qui est bien, et le retour qu'on a, c'est que les gens qui reviennent, ils reviennent pour cette ambiance de groupe, en fait. Et c'est vrai que quand tu es en groupe, tu passes des caps plus vite parce que tout le monde est là. Il y a une cohésion qui se fait. Mon plaisir à moi, c'est de faire de la cohésion dans les équipes et dans les groupes. Ça, c'est vraiment... ça, c'est ma zone de confort. Et donc... les gens qui reviennent souvent, c'est pour ça. C'est pas tant pour parce que une fois qu'on a la clé, comme tu l'as là, la clé on l'a, on l'utilise. Et justement parce qu'on l'a, on l'utilise. On va pas se cacher. Hein, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre à côté. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, pour ce témoignage. Et puis je te dis à très bientôt. Bye bye. À très bientôt, Karine. Salut. Ton micro. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte que même les messages que je mettais, ils étaient au nom de Marie-Christine, parce qu'on est rentrées toutes les deux par la même porte. Et alors, du coup, quand ça coupe, normalement, la personne qui dirige a le micro qui se réouvre automatiquement. J'ai pas l'habitude de devoir me réouvrir le micro. Pardon. Depuis tout à l'heure, j'ai fait. Ok. Alors, j'étais en train de vous dire, on va un peu parler maintenant du prix de la formation. Je vais me remettre au milieu. Voilà. On va parler un peu du prix de la formation. Vous avez dans le bandeau qui défile le lien pour vous inscrire. Et donc, le prix est de 3 697 € si vous le payez en une fois, mais vous avez la possibilité de le payer jusqu'à 6 fois, et donc ça ramène, on rajoute 3% en fait dessus. Sur certaines formations, vous avez des 15, 20, 30% à chaque étape quand on multiplie par 2, par 3. Nous, on est resté à 3%, donc pas grand-chose. Vous pouvez aller jusqu'à 6 fois et ce 6 fois-là vous ramène à 690 € par mois. Et c'est pour que la formation soit en fait réglée avant la fin de la formation. Voilà, c'est juste pour ça. Sachez qu'on lance habituellement, alors je dis habituellement parce que comme c'est la nouvelle mouture, on va dire, ouais, c'est une nouvelle mouture en fait. On va voir si on le lance en une fois par an ou en 2 fois par an comme on le faisait précédemment. Parce que là, on a rajouté des choses, des surprises, des bonus qui n'étaient pas précédemment. Et peut-être que se donner un peu plus de temps après entre deux objectifs.
objectif peut être intéressant. On ne sait pas. En tout cas, sachez qu'il y a au moins un lancement par an, voilà, mais que là, sur cette année, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si le prochain lancement se fait à 6 mois, ben, il sera en janvier, donc il sera sur l'année prochaine. Voilà, on n'aura pas de lancement tous les mois, comme ça peut se voir sur d'autres formations. Ça, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut se consacrer vraiment aux gens qui sont avec nous, qui nous font confiance, qui viennent et qui vont réaliser leur objectif pour être totalement avec eux sur leur objectif. Voilà. Dans ces ateliers, en fait, il va y avoir des gens qui sont connus, vraiment connus, qui font du travail très intéressant, mais complètement... Enfin, ça n'a pas de rapport avec cette formation en développement personnel que vous faites. Voilà. Pourquoi ? Pour que les pauses soient des vraies pauses et qu'on se retrouve ensemble sur d'autres choses. Ce qui est important pour le cerveau, ce qui est important pour la formation, ce qui est important pour avancer encore plus vite. Voilà. Donc, on a quelques questions. Peut-être on va pouvoir y répondre, les filles. À savoir déjà... Comment avoir une idée claire des sujets abordés et des compétences que je vais développer. Alors, je pense que c'est Stéphanie qui marque ça. Alors, est-ce que l'une de vous peut expliquer, grosso modo, sinon je l'explique, les avantages, en fait, de cette formation, les sujets abordés dans cette formation? Vous voulez que je le fasse? En fait, peut-être c'est bien oui, si vas-y, je vous prends aussi. Je pose la question. La question, c'est peut-on avoir une idée claire des sujets abordés et des compétences que je vais développer? Oui. Alors, oui. Moi, je dis oui parce que déjà, comme la formation, elle est séquencée, ça veut dire qu'on se voit 2 fois par semaine. Et pendant, justement... les modules, on aide justement à clarifier les choses. Ça veut dire que rien ne reste en pause. Tout est clarifié dans l'immédiat. Ça veut dire que tout se fait de façon fluide et spontanée à l'instant T au moment des échanges et des modules. Donc, on a 2 séances par semaine. Donc, on a la première séance, c'est on a les apports, on prend connaissance des apports et du contenu, et ensuite on passe à la pratique. Et au moment de la pratique, c'est là où je dis que rien ne reste en pause, tout se décante au moment même et à l'instant T, et rien ne reste en suspens. Donc oui, à ce moment-là, tu pourras avoir les idées claires, et de semaine en semaine, les choses vont paraître de plus en plus claires. Et Karine a cette dextérité-là d'expliquer les choses de façon très très simple. J'ai répondu. Oui, et pour la deuxième partie de la question au niveau des sujets abordés, nous, on travaille vraiment au niveau de ton inconscient. On te fait prendre conscience de certaines choses. On va travailler en profondeur. Et les sujets abordés, c'est vraiment toi qui le choisis, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir envie peut-être de travailler sur ta vie perso. Peut-être que tu vas avoir envie de travailler en amour. Peut-être que tu vas avoir envie, comme Olivier, de travailler au niveau du travail. Peut-être que tu auras envie de développer ton mindset. Je ne sais pas. En fait, ça touche toutes les sphères de la vie. Et c'est toi qui choisis, en fait, le sujet que tu vas aborder. Ce n'est pas du tout... moi, Marie-Christine, Fabienne ou même ton ayutante qui va te dire « Ah, il faut que tu fasses ça ». Absolument pas. Ça ne se passe pas comme ça du tout. C'est vraiment comment tu as envie de traiter la chose. Comment toi, tu as envie… C'est mieux quand on est comme ça. Toi, tu as envie de travailler, en fait. On n'est pas là pour choisir le sujet que tu vas développer. Peut-être que c'est un moment dans ta carrière où il faut que tu donnes un grand coup de collier, ben on sera là. Peut-être que c'est un moment où tu sors, je ne sais pas, d'une dépression, d'un burn-out, où tu as envie de changer de mindset. OK, pas de problème, on est là.
Tout est OK pour nous. Tous les sujets sont OK. Y a pas, c'est pas nous qui allons choisir ce sujet-là. C'est vraiment pas, pas ça. Alors, comment peut-on payer? Alors, bon, là, franchement, je remets le lien de la, hop, de la page de vente. Attends, copier. Je la mets en bas. Elle était déjà, mais je vous la remets. Clac. Vous payez par PayPal ou par carte bleue et ça va se faire en automatique. On ne gère pas ça du tout en manuel. Ça se fait tout seul. Et d'ailleurs, ça nous soulage bien. Soyons clairs. Voilà. Donc, si vous choisissez de payer en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois, ça sera prélevé à la date que vous avez choisie. Voilà. Quels sont les intervenants? Alors, les intervenants, je vais vous en donner 4 sur 6. Alors, les intervenants. Les intervenants de quoi, d'abord? C'est une vraie bonne question. Sur les ateliers ou les intervenants intervenants. Alors, les intervenants sur la formation en elle-même, ben vous les avez là, on est toutes les trois là et on sera en intervention. Donc, on vous a dit, hein, Marie-Christine, sur la formation en italien, Fabienne et moi, et de temps en temps, Marie-Christine, sur la formation en français. Voilà. Nous. Après, c'est un travail de groupe. Donc, il va y avoir tous les anciens qui seront là. Tous ceux qui veulent reparticiper seront là. Et donc, vous aurez d'autres retours. C'est-à-dire, on n'est pas là en tant que chef. On est là en soutien. Mais avec nous, il va y avoir tous les anciens élèves de la formation qui sont là et qui seront là pour vous aider, en fait, qui sont aussi qualifiés que nous, puisque pour la plupart, ça fait 4 ans qu'ils viennent et qu'ils le font avec nous, donc enfin avec moi, depuis que j'ai créé le groupe en 2020, donc ça commence à faire quelques années. D'ailleurs, ce lancement, c'est le 10e, parce qu'au départ, on en faisait un peu plus. Donc voilà, je pense qu'on a tous assez de recul pour pouvoir vous aider et que... même si on est formatrice et même si on travaille ensemble toutes les trois déjà avant sur d'autres formations, on sera là pour vous et pour vous aider, mais les autres seront là aussi. C'est vraiment cette cohésion de groupe qui est très intéressante et qui fait que ça impacte et que vous allez passer des steps de plus en plus vite et être de plus en plus impactant dans votre propre vie, en fait. Voilà. Alors... j'espère que j'ai répondu. Si je n'ai pas répondu à la question, n'hésitez pas à nous en noter d'autres. Ah oui, les formateurs. Je n'ai pas répondu à ça. Donc, dans les formateurs, il y aura Fabrice Moisy qui est en fait, il va vous faire un atelier sur les finances. Donc, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a tout à voir parce que quelqu'un qui sera dans sa, qui fera son... son objectif sera les finances, pourquoi pas, ça peut être très très intéressant pour lui. Pour les autres, ça peut être quelque chose, bon, ben, venir voir, peut-être s'intéresser ou pas venir. Bon, voilà. Après, c'est vous qui choisissez, c'est des ateliers qui sont de 1h30 à 2h qui vous sont offerts. Je pense qu'il faut en profiter. Après, vous aurez Nicolas Cadic. Nicolas Cadic, qui est un spécialiste en art-thérapie, en EFT, en plein de choses, en fait. Il fait du développement professionnel aussi. Il est excellent dans ce qu'il propose au niveau du coaching aussi, puisque là, on est actuellement... on est en Nouvelle-Calédonie et on est en pleine guerre civile et Nicolas est aussi sur le territoire calédonien. C'est un peu compliqué pour nous et le travail actuellement de Nicolas est de justement aider les personnes à réintégrer et à réintégrer leur travail ou leurs écoles. Donc c'est voilà, il travaillera avec nous sur les peurs, comment gérer vos peurs. Vous verrez, c'est un atelier qui est je l'ai testé, je ne connaissais pas, c'est spectaculaire. Vraiment c'est J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Ensuite, nous aurons Paul McKeown. J'espère que je dis bien ton nom, Paul, parce que j'ai un petit doute. En tout cas, ça sera sur un atelier de vente pour vendre sur LinkedIn.
Voilà. Vous aurez aussi un atelier avec Karine Divorne qui, elle, vous parlera des huiles essentielles. Et Karine ira encore plus loin puisque pendant la formation qu'elle vous propose sur ces huiles essentielles, elle permettra à quelques personnes de recevoir directement un colis avec des huiles essentielles. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Karine, elle travaille avec les animaux en huiles essentielles et elle travaille aussi et surtout avec les hommes, enfin hommes, j'entends hommes et femmes, hein. Pas que les hommes, là c'est avec l'humanité on va dire, voilà. Et puis après vous aurez deux autres ateliers surprises que je le garde en surprise, voilà. Autre question, pour m'assurer que je ne serai pas seule, confirmez-vous que j'aurai bien l'accompagnant adéquat. Là, tu ne seras vraiment pas seule, puisque, alors, on peut rassurer Stéphane là-dessus. Le travail se fait en groupe, on ne le fait pas à la maison. C'est-à-dire que s'il y a deux rendez-vous par semaine, c'est bien pour ça. Un rendez-vous où on explique comment ça va se passer, un rendez-vous où on fait les exercices. Et il y a cette cohésion qui se fait, qui se met en place. Les gens sont là. On a un groupe WhatsApp où vous pouvez poser toutes vos questions. On a un groupe qui est solidaire avec les anciens, qui est là. Et ça, c'est chouette. Vous aurez toujours des réponses. Dès que la question se pose, mettez-la sur le groupe. Vous verrez qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Je ne sais pas, les filles, est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus là-dessus pour rassurer Stéphane? Il y aura effectivement un aiutante pour chaque personne, un coaching avec moi si vous le désirez. Que peut-on rajouter de plus là-dessus? En fait, on se soutient tous mutuellement. On est tous là les uns les autres pour se soutenir. Et justement, c'est une collaboration, c'est un ensemble. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que rien ne reste en suspens. Si tu voulais rajouter quelque chose, Christina, vas-y, parce qu'il me semble que tu voulais parler. Oui, je pense même que vous, qui c'est un grand soutien qui arrive par tout le groupe et par Karine aussi, comme disait Olivier dans le témoignage, c'est un soutien qui s'arrive pendant les deux rendez-vous. Et si on a besoin, il y a le WhatsApp qui marche vraiment très bien, hein, parce qu'il y a toujours une réponse qui arrive à donner de lumière dans nos doutes qui se font. Et c'est vraiment formidable, hein, et l'énergie qu'on peut prendre pendant ces rendez-vous, c'est vraiment très très fort. Oui, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a tous fait la formation, hein. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le groupe WhatsApp, ils l'ont tout fait. Et Fabienne, Maria Cristina ou moi, on a aussi fait plusieurs fois on s'est entraîné sur cette formation. Elle est testée et éprouvée. Donc, vous pouvez venir sans souci sur la formation. Effectivement. C'est très juste ce que dit Marie-Christine. Déjà, au niveau de l'énergie, il y a une énergie qui est contagieuse. Même quand on est un peu dans le down, les gens sont là pour nous remotiver. Et il y a autre chose qui est très juste, c'est qu'on a une réponse tout de suite. Pourquoi ? Parce que, en fait, sur le WhatsApp, les gens qui ont fait la formation sont des gens qui sont des gens du monde entier. Et donc, il y a toujours quelqu'un de connecté sur le WhatsApp. Il y a toujours quelqu'un qui va vous donner une réponse, qui va vous aider à trouver votre réponse. Parce qu'en fait, ce n'est pas une réponse juste. Ce n'est pas une réponse. C'est peut-être tu devrais tester ça ou tu devrais tester ça. Et qui va vous aider à trouver votre réponse juste. Parce que là, on est vraiment sur du développement personnel et ça reste personnel. Ce qui veut dire que moi, je ne vais jamais vous donner une réponse. Fabienne, Maria Cristina ou tous les anciens élèves ne vont jamais vous donner
une réponse. On va vous diriger pour trouver cette réponse. Et ça, c'est très important de le comprendre, puisque la réponse est en vous et que c'est, on va vous aider à aller trouver votre réponse. Et c'est ça qui est important. C'est votre réponse, c'est la vôtre qui est juste et la nôtre, c'est la nôtre. Elle ne sera pas juste pour vous. Ce qui est juste pour vous, c'est votre réponse. Voilà. Mais en tout cas, dès que vous avez une question, vous la posez sur le WhatsApp et généralement, dans les quelques minutes qui suivent, vous avez votre réponse. Voilà. Une autre question. Comment s'organise le coaching de groupe et le coaching en binôme? Alors, le coaching de groupe, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le lundi, on décortique ce qu'on va faire le jeudi. Et le jeudi, on met en pratique. Et on a du jeudi au jeudi pour mettre en pratique. Donc, voilà. Et généralement, quand on met en pratique, ça se débloque tout de suite lors du rendez-vous. Pour ce qui est ensuite de l'organisation avec votre ayudante, ça, vous le verrez avec lui. Là, ce qui est sûr, c'est que vous avez 6 rendez-vous et que ces 6 rendez-vous-là, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous les prenez. Voilà. C'est vous qui vous mettez en relation. On va vous donner un binôme. Et c'est vous qui vous mettez en relation avec ce binôme. Et en plus du WhatsApp, en plus de tous ces coachings de groupe qu'on a, et on en a beaucoup puisque ça s'étale sur 25 semaines, donc ça fait plus d'une cinquantaine de rendez-vous. Je dis plus parce qu'il y a les ateliers, il ne faut pas les oublier. Le binôme, lui, il est là en soutien pour vous, c'est-à-dire spécifique. Autant nous, on va être en soutien de groupe. On peut être là en soutien spécifique aussi, ça n'empêche rien. Mais l'ayutante, il est vraiment sur votre objectif, pour vous, et pour vous donner des solutions que l'on a déjà vues, déjà éprouvées pendant la formation, pendant ces 10 formations que l'on a traversées ensemble. Voilà. J'espère que ça répond. Si ça répond pas bien, tu nous le marques en dessous et on répondra. Pour avoir une idée des résultats obtenus par d'autres personnes ayant suivi la formation, peut-on avoir des témoignages d'anciens élèves? Où est-ce que je peux les consulter? Alors, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, tu vas pouvoir retrouver ces témoignages au niveau de Google Maps. Tu tapes Karine Morel en Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai des homonymes. Donc, tu tapes Karine Morel. Karine avec un K, Morel AU, et tu tapes Nouvelle-Calédonie, ça va te diriger vers ma fiche, et là tu auras les témoignages de gens, c'est des témoignages qui sont validés par Google, donc qui ont été vérifiés. Et ensuite, tu peux aller sur mon site à karinemorel.com, donc là sur la page de présentation, tu en as déjà, et si tu fais slash témoignage 2, tu vas avoir d'autres témoignages à gogo. Tu n'es même pas obligé d'écrire ce que je viens de te dire. Tu tapes karinemorel.com et tu vas dans l'onglet témoignages et tu vas avoir tous les témoignages justement qui vont corroborer ce qui est là. Voilà. Et puis, si vous avez encore besoin d'autres témoignages à ce moment-là, vous me ferez un petit mail. J'en ai encore d'autres sous le coude, des témoignages en vidéo. Et ces témoignages-là en vidéo, d'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur la page de vente qui est notée en train de défiler en dessous ou notée dans le chat. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Je remonte, mais non, je n'ai rien d'autre. Vous en voyez d'autres? Non. On a toujours un petit décalage, on va se laisser deux petites minutes pour voir si certains d'entre vous notent d'autres questions. Sinon, pendant ce temps, en attendant de voir si vous avez d'autres questions, voilà. N'hésitez pas, cliquez
allez voir la page de résumé. Vous allez déjà avoir un résumé de la formation. Vous allez pouvoir aller cliquer sur les intervenants d'atelier dont je vous ai donné les noms parce que vous avez des liens. Vous allez pouvoir voir qui c'est, savoir un peu ce qu'ils font, comment, voilà, voir tout ça. Et donc voilà, donc en conclusion, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass et merci d'avoir posé ces questions, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. On n'a toujours pas d'autres questions. Non, ok. Donc, on vous embrasse, on vous attend au plus vite avec nous. Sachez que la formation, demain, on fait la présentation de la plateforme et que le cours commence lundi. Donc, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire après la formation ferme. D'ici 15 jours, vous aurez celle de Maria Cristina, mais on ferme la formation, enfin les inscriptions à la formation dimanche pour la formation en français et dans 15 jours pour Maria Cristina. Vous verrez sur les réseaux sociaux la formation de Maria Cristina qui ouvrira la semaine prochaine en inscription. Voilà, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt et puis ben, écoutez, merci d'avoir été présent, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très très bientôt.